La journée de Challenge Day commence par un échange entre nous autour d'un petit repas pour nous mettre bien à l'aise et qu'on se rencontre entre porteurs de projets. Et ensuite, des séances de coaching en 15 minutes avec différents coachs sur différents aspects. Donc vraiment challenger le projet et y aller avec toutes nos questions. C'est un beau challenge, ça nous fait sortir de notre zone de confort et je conseille à tout le monde de faire ça. C'est un peu la suite logique du projet, c'est de rencontrer les acteurs qui peuvent faire avancer le projet, leur expliquer nos problématiques. J'ai déjà donc du coup pu rencontrer un coach avec qui j'ai pu tester mon pitch pour m'assurer que les coachs suivants allaient bien comprendre ma démarche. Il m'aide en fait à avoir du recul sur mon projet et à avoir des avis un peu extérieurs, donc très intéressant. Les questions étaient très intéressantes et démontrent qu'il y a au sein d'Initium de très beaux projets. Je ressors de cette journée assez enthousiaste face à la qualité des projets que j'ai pu rencontrer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un porteur de projet de start-up qui a un projet innovant peut être accompagné du stade de l'idée jusqu'à sa commercialisation et sa mise sur le marché. L'écosystème de l'innovation, c'est une grande famille. On a la chance ici en Occitanie d'avoir énormément de structures d'accompagnement qui ensemble forment justement, je dirais, une machine de guerre pour la création de start-up innovantes et j'espère les start-up qui vont changer le monde de demain. Pour le coup, l'accompagnement d'Initium nous a beaucoup apporté. Ça m'a vraiment permis de plus structurer mon projet et d'avoir un regard extérieur qui me fait avancer positivement. Si je n'avais pas été accompagné par Initium, je pense que je galérerais un peu plus qu'actuellement.